J'arrive dans le rayon des loisirs créatifs et beaux-arts. Donc du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choses par rapport à la dernière fois que je suis venue. On va retrouver les petites aquarelles métalliques. Donc à 1,45€. Donc ça, je viens de les acheter. On va retrouver également ce coffret-là. C'est des pastels métalliques. Donc il y a 12 pièces à l'intérieur, 99 centimes. Donc pareil, je vais les prendre puisque la dernière fois ça n'y était pas. Donc on va faire un petit peu le tour. Ensuite on va retrouver les 36 aquarelles dans le coffret métallique. Donc ça je les avais déjà achetées, je vous avais montré dans le premier haul. Ça je les ai également achetées la dernière fois avec ça. Donc je vais voir un petit peu ce qu'il y a de nouveau et je vous montrerai tout ça lors du déballage. On arrive sur la tête de gondole. Donc en ce moment on a ça, c'est une nouveauté. Donc c'est en promotion à 4,95€, c'est 46 crayons de couleur dans une pochette roll. Donc ça je viens d'en prendre une et on va voir un petit peu ce qu'il y a. On va retrouver également les aqua marqueurs, les calligraphies marqueurs, il y a les twin marqueurs. Ça je les ai achetés la dernière fois, il faudra que je vous le présente, je ne l'ai toujours pas fait. Donc on voit, c'est bien chargé, on va retrouver les chalk marqueurs, les mini twin marqueurs, donc ceux-là je les avais également achetés. Donc je vous montrerai tout ça par la suite. Donc une fois de plus, c'est hyper bien achalandé dans ce nouveau magasin à Fréjus. En loisir des créatifs, on va retrouver ça. Donc c'est un stylo graveur pour le bois. Donc voilà, 4,99€ pour ceux qui aiment faire la pyrogravure. On va retrouver également les fameux diamond painting. Vous avez également les tablettes lumineuses. Donc vous avez la petite à 12,95€ et vous avez la grande tout en bas du rayon à 19,99€. Donc après vous allez avoir plein de washi tape, des tampons, des stickers, plein de choses. Là ici vous avez tous les papiers décoratifs, donc c'est bien rangé. C'est ça qui est agréable ici, c'est que c'est pas le bordel dans les rayons. Ici vous avez tous les stylos, donc ça c'est tous ceux que j'ai pu acheter la dernière fois. Donc il faudra que je vous les présente sur YouTube. Et ensuite ici on a ça, donc c'est un set de feutres à air. Donc en fait vous lancez de l'air et ça fait un espèce d'effet comme si c'était tagué. Donc, c'est un petit peu un gadget selon moi. Donc il faudra peut-être essayer. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo haul Action. Donc il n'y aura pas forcément grand chose puisque je suis retourné au magasin Action qui se trouve pas très loin de chez moi et j'ai pu acheter des choses qu'il n'y avait pas la fois précédente quand j'y suis allé. Donc du coup j'ai mon ticket de caisse, en tout j'en ai eu pour 18,84€ pour les fournitures de dessin. Voilà, je me suis pris le petit sac qui va bien, Action. Et on va regarder tout ça ensemble. Alors, pour commencer, je vais faire dans l'ordre du ticket de caisse, ce sera beaucoup plus facile pour vous donner les tarifs. Alors, pour commencer, je me suis acheté des pastels métalliques. Donc, des pastels métalliques, j'ai payé ça 99 centimes. À l'intérieur, on va retrouver 12 pièces, donc 12 pastels différents. Et du coup, eh bien, qu'est-ce qu'ils nous disent à l'arrière? Rien du tout, en français, s'il vous plaît. Des couleurs métalliques pures en bâtonnets de pastel. Des bâtonnets ronds sont parfaits pour finaliser les détails avec les bords du bâtonnet ou pour couvrir toute une surface à colorier avec le côté du bâtonnet. Les pastels métalliques donnent un superbe résultat sur les surfaces à texture pouvant retenir les pastels comme le papier noir, le carton, etc. Donc on va tester ça ensemble pour voir si l'effet métallisé est joli ou pas. Donc ça, 99 centimes chez Action. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur mon ticket? J'ai ça, c'était une nouveauté, je ne l'avais pas vu la dernière fois et je ne les ai pas encore vus tourner. Donc il va s'agir des métalliques
calligraphie Twin Markers. Donc vous avez 12 feutres à l'intérieur. Donc vous allez retrouver 6 couleurs, il me semble. On va avoir, alors c'est très difficile parce que la couleur elle est vachement foncée, ils ont écrit en noir dessus. Donc on a le style, plum, je crois que c'est ça la couleur. Ensuite on a rose gold, on a copper, on a pure gold, white gold et silver. Donc on va retrouver 12 feutres Twin Marker calligraphie, donc c'est des feutres à base d'eau qui sont à l'intérieur. Et comme vous le savez à chaque fois, on va retrouver des différences de mine. On a du 3 mm, du 2 mm, du 5 mm et du 4 mm. Donc on va retrouver à chaque fois deux feutres de la même couleur à l'intérieur avec des tailles de mine différentes. Donc on testera cet effet-là également sur du papier noir. Donc ça coûte 3,99€ et c'est vendu avec le système décotré, c'est-à-dire que c'est un système que vous pouvez empiler les uns sur les autres. Voilà, maintenant c'est bien connu, ils le font dans tous leurs coffrets de feutres et de crayons de couleur. Voilà, c'est vraiment très pratique, ça vous permet de ranger vos feutres vraiment de manière optimale. Donc 3,99€ chez Action, on testera ça très prochainement. Ensuite, qu'est-ce que je me suis acheté? Oui, je me suis acheté ceci. Donc ceci, c'est quoi? C'est le coloring set. Donc vous allez retrouver à l'intérieur 46 crayons de couleur de la marque Craft Sensation. Ils sont vendus dans une trousse roll. En fait, vous avez une trousse roll en simili cuir noir à l'intérieur. Donc on va tester un petit peu ces crayons de couleur, voir ce qu'ils valent. Puisque c'est une nouveauté, ça vient de sortir et en plus c'est en promotion cette semaine chez Action. Donc n'hésitez pas, moi il y en avait vraiment beaucoup en stock dans mon magasin. Et dans la partie promotion c'était entièrement vide, par contre dans le rayon ils en avaient mis également. Là il y avait beaucoup de stock. Donc ça à tester, 4,95€ puisque c'est en promotion cette semaine. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a? Oui, je me suis acheté ceci, je les ai enfin trouvés, puisque je les voyais beaucoup tourner aussi bien sur Vinted que sur les différents réseaux. Il va s'agir des 3 coffrets de pastel, d'aquarelle métallique. Donc du coup, je me suis pris les 3 coffrets. Donc on va avoir 5 couleurs, 2, 3, 4, 6 couleurs dans chaque coffret. Avec un pinceau à réservoir. Donc là également, on va voir ce que ça vaut, voir si les coffrets de couleurs, ben, les couleurs sont belles ou pas. Donc on a les coffrets des roses que je vous ai montrés. Là, on a les coffrets des gris et des jaunes orangés. Et là, on a une magnifique couleur. Elle est très très belle cette palette. Donc là, c'est les couleurs un petit peu plus bleues, turquoise. C'est vraiment très beau. Donc on verra si l'effet métallique des aquarelles fonctionne ou pas. Donc je ferai quelques petits tests, hein, parce que vous savez que je suis une grosse quiche en aquarelle. Donc je ne serai pas le plus à même à vous donner des explications concernant leur utilisation. Mais on verra si le rendu est joli ou pas. Et chaque coffret coûte 1,45€. Donc voilà, donc foncez parce que c'est en ce moment en magasin. Donc ça, c'est très très bien. Ensuite, qu'est-ce que je me suis acheté? Oui, je me suis acheté ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est en édition limitée, donc c'est un coffret d'écriture. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des gel pen et des metallic markers. Donc pareil, je ne l'avais pas vu et je n'ai pas fait attention si c'était une nouveauté par rapport à l'étiquette du produit ou pas. Ça, ça coûte 2,49€ et on va retrouver 15 pièces à l'intérieur. Donc on va avoir 2, 4, 6, 8, 10 gel pen. Donc il y a du métallique, du fluo et du blanc à l'intérieur. Et on va retrouver 5 metallic markers. Donc on a plusieurs coloris, donc on essaiera également tout ça sur du papier noir, du papier blanc. On va faire plein d'essais tous ensemble. Donc ça, ça coûte 2,49€. Ensuite, qu'est-ce que je me suis acheté? Ah oui, donc c'est fini. Du coup, je me suis acheté une fois encore ce carnet. Donc c'est un papier aquarelle de chez Action. Donc vous avez à l'intérieur 20 feuilles A4. Le grammage, c'est du 300 grammes, donc c'est vraiment très épais. Le papier est vraiment bien texturé, avec des gros grains. Je ne sais pas si vous le voyez, on va essayer de tourner pour que vous puissiez voir
le grain du papier. Voilà. Donc, on va essayer ça justement avec les aquarelles que je me suis achetées, puisque je ne me souvenais plus si je l'avais déjà acheté ou pas au préalable. Donc, ça, ça coûte 1,79€ et vous pouvez le retrouver dans le rayon peinture chez Action. Donc voilà, mon cabas est vide et du coup, ben, j'espère que cette mini vidéo haul Action vous a plu. Moi, je vais être en mesure très prochainement de pouvoir vous refournir des vidéos de tests de produits puisque mes soucis de santé par rapport à ma main et mon bras vont beaucoup mieux. C'est pas forcément ça encore en ce moment. Donc voilà, je vais pas trop forcer. Donc ça viendra courant du mois d'octobre. J'ai pu déjà vous mettre une vidéo concernant les Magic Twin Markers en ligne, elle a été mise semaine dernière, donc j'espère en tout cas que toutes ces petites vidéos test vous plairont. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez à chaque fois de mes vidéos et de me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Moi, je suis toujours ravie de vous fournir ce type de contenu sur ma chaîne et je vous dis, ben, comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci.